Qu'as-tu, mon enfant ? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est ? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsantetopcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Dans le numéro de ce jour, nous recevons deux invités qui nous viennent de la colline inspirée. Il s'agit donc du professeur docteur Jean-Robert Makoulo-Rissassi, qui est néphrologue, et du professeur docteur Bodi Mabiala, pédiatre. Et les deux sont respectivement médecins directeurs et médecins directeurs adjoints des cliniques universitaires de Kinshasa. Avec nos invités, nous allons donc parler des CUK, les cliniques universitaires de Kinshasa, plus de 60 ans après son inauguration. Comment se présente l'offre des soins de santé dans cette institution sanitaire? C'est la grande interrogation à laquelle vont tenter de répondre nos invités de ce jour. Bonjour, professeur Makoulo. Bonjour, madame. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Bien, très bien. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans Top Santé sur Top Congo FM. Alors, professeur Dr Makoulo, vous êtes le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa. Est-ce que vous pouviez nous présenter les CUK? Les CUK, ou mieux, cliniques universitaires de Kinshasa, nous sommes un hôpital de niveau tertiaire. C'est l'hôpital de l'Université de Kinshasa. Nous sommes le laboratoire de la faculté de médecine. L'hôpital est créé depuis 1957 avec trois principales missions. La première mission, ce sont les soins à la communauté, les soins de santé. La deuxième mission, c'est l'enseignement, parce qu'en tant que médecin-professeur, nous avons la charge d'enseigner les futurs médecins, et troisièmement, c'est la recherche dans le domaine de la santé. L'hôpital, c'est le principal hôpital universitaire du pays, dans la mesure où la plupart des médecins spécialistes et même des médecins généralistes de notre pays ont été formés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il y a pratiquement tous les départements qui peuvent œuvrer dans notre pays, donc dans un premier temps, je peux me limiter là parce que l'émission, c'est pour nous étaler dans les détails. Voilà. Alors, professeur Bodi, il y a l'EMD qui a présenté l'hôpital. L'hôpital, les cliniques universitaires, c'est un hôpital de niveau tertiaire. C'est pour l'enseignement, la recherche et administrer les soins à la communauté. Quand on dit hôpital de niveau tertiaire, ça renvoie à quoi exactement? Merci beaucoup, madame. Quand on parle d'un hôpital de niveau tertiaire, c'est un hôpital de référence au troisième niveau. Parce que nous avons les niveaux primaires, nous avons les niveaux secondaires, mais nous sommes au dernier niveau. Ce qui fait que ça implique un niveau technique assez élevé, ça implique un personnel bien formé, ça implique un équipement de pointe, parce que c'est là que l'on doit prendre les cas les plus compliqués. C'est comme ça que le plus souvent, nous recevons les cas qui n'ont pas pu être soignés ailleurs. C'est comme ça qu'on les transfère aux cliniques universitaires, parce que c'est là où il y a le personnel, l'outil, l'équipement nécessaire pour leur prise en charge. Donc ça veut dire que toutes les missions, vous les remplissez correctement par rapport à la définition, à la présentation que l'EMD vient de nous faire? Tout à fait, nous les remplissons correctement parce que nous donnons les enseignements de qualité. C'est nous qui formons la plupart des médecins dans ces pays et surtout les spécialistes. Nous sommes la plus grande école de formation des spécialistes. Et puis la recherche, c'est d'abord nous. Notre troisième mission, c'est les services à la communauté. C'est dans cette optique-là que nous avons voulu communiquer aujourd'hui avec notre communauté pour que la communauté comprenne exactement qu'est-ce que nous faisons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des cliniques sans bien connaître son fonctionnement. Donc c'est l'occasion pour nous de communiquer avec la communauté
parce que c'est notre troisième mission, les services à la communauté. Voilà. Alors, professeur Mankulo, comment fonctionnent les cliniques universitaires de Kinshasa et quels sont les différents départements aux services? Nous sommes une entité décentralisée de l'université de Kinshasa. Donc, notre gestion est en étroite collaboration avec le comité de gestion de l'université de Kinshasa. L'hôpital a une double tutelle. La tutelle administrative, c'est l'enseignement supérieur et universitaire. La deuxième tutelle, c'est la tutelle relevant du ministère de la Santé. Parce que là, nous appliquons la politique de santé au niveau tertiaire. Je vous avais dit, nous avons pratiquement tous les départements qui peuvent exercer en RDC. Nous avons les départements de chirurgie, avec presque toutes les micro-spécialités, la neurochirurgie, la chirurgie digestive, la chirurgie cardiaque et thoracique, la chirurgie plastique, la chirurgie infantile, etc., etc. Nous avons les départements de médecine interne, avec des services comme la néphrologie, la cardiologie, l'endocrinologie, les maladies infectieuses, la gastro-entérologie, la pneumologie, l'hémato-oncologie, la pédiatrie avec plusieurs services, la néonatologie, la néphrologie pédiatrique, l'oncologie pédiatrique, les infectiologies pédiatriques, le département de gynécologie obstétrique, nous avons la réanimation, la biologie, et quand nous disons biologie, il y a la biochimie, il y a l'hématologie, il y a la virologie, il y a la génétique, il y a la biologie moléculaire, il y a l'anatomopathologie. Nous avons les départements de radiologie, la médecine physique, les spécialités comme l'ORL, l'ophtalmologie, la médecine dentaire. Bref, nous avons tous ces départements au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa. Mais je dois clarifier, quand nous disons clinique universitaire de Kinshasa, en plus des activités sur les sites des cliniques universitaires en tant que telles, il y a d'autres activités au niveau du CNPP. Là, c'est géré par un autre médecin directeur. Et là, on a deux départements, le département de psychiatrie et le département de neurologie. Bref, pour me résumer, nous avons presque tous les départements qui peuvent exercer en RDC. Et comment arrivez-vous à gérer tous ces départements? Vous n'êtes pas débordé? Non, nous ne sommes pas débordés parce que dans chaque département, il y a un chef de département et dans chaque service, il y a un chef de service. Alors, professeur Bodi, la gestion du personnel, comment est-ce qu'il se fait? Le docteur Mankulo vient de dire qu'il y a un chef de service, il y a un chef de département. Comment arrivez-vous à établir la connexion, la communication avec tous ces chefs de service, avec tous ces différents départements? Merci beaucoup, madame. Puisque vous voulez qu'on parle de l'administration, l'hôpital a une organisation. Nous avons un document qui organise le fonctionnement des cliniques. En plus du médecin directeur et de son adjoint, nous avons d'autres directions. Nous avons une direction administrative, une direction financière, une direction de nursing et une direction technique. Et dans chaque direction, il y a des divisions. Je prends un exemple, à la direction de finances, on a la division de facturation, division de comptabilité, division de finances, et même dans l'administration, il y a la division de ressources humaines, il y a la division de contentieux, il y a la division de patrimoine, bref. L'hôpital est bien organisé, madame. Donc, ce qui des fait contentieux, que... des patrimoines. Bon, parce que si on s'étale dans tous les détails, on a donné juste quelques exemples. C'est pour montrer qu'on n'est pas débordé, l'hôpital est bien organisé et chacun fait son travail. Parce que nous avons un directeur financier et dans chaque division, nous avons un chef de division. Ce qui fait que... Et tout ça, c'est coordonné par le médecin directeur et son adjoint. Donc, on n'est pas débordé. Il y a la division du travail. Voilà, tout merci beaucoup. Bien. Mais j'aimerais savoir pourquoi communiquer ce jour sur les cliniques universitaires de Kinshasa. Vous êtes là, je crois, depuis 2017. 2018, près de 5 ans, 6 ans après. Pourquoi communiquer aujourd'hui sur les CUK? Qu'est-ce qui vous motive, professeur Mankulo? Pour plusieurs raisons. Beaucoup de gens aiment parler des cliniques universitaires de Kinshasa sans venir
sur terrain, palper des yeux. Vous voyez, vous êtes de la presse, mais on ne vous a jamais vu venir. C'est comme ça que nous avons dit cette fois-ci, nous allons vers la presse parce que la presse ne vient pas. La presse devait descendre sur terrain. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de l'offre de soins. On ne doit pas se contenter des rapports des médecins directeurs. Les gens doivent descendre pour voir. Et puis, bon, vous voyez, nous sommes à l'époque de la communication. Il faut communiquer avec d'autres personnes, il faut communiquer avec les patients, il faut montrer que l'hôpital est un hôpital comme tous les autres hôpitaux. Au-delà de ce que les gens racontent, nous voulons donner la vraie image de notre hôpital. Professeur Baudy, un complément d'information? Ouais, je pense que le médecin directeur a ramassé l'essentiel. Nous avons voulu communiquer parce que, madame, les gens ont une certaine image des cliniques. Une mauvaise image. Une mauvaise image. Mais je vous rassure que quand nous avons été désignés à la direction, nous avons eu le temps de nous asseoir avec le MD pour faire un état des lieux, pour identifier les vrais problèmes de l'hôpital, notamment les problèmes d'hygiène, notamment les problèmes de sous-équipement, notamment les problèmes du vieillissement du bâtiment, le vieillissement du personnel, les difficultés de fourniture en électricité, de fourniture en eau. Et alors nous nous sommes assis et nous avons réfléchi pour voir comment résoudre progressivement ces problèmes. Je pense que, comme le dit le MD, madame, il faut passer viser les cliniques. Je pense que vous aurez aujourd'hui une autre image des cliniques parce que nous avons essayé tant soit peu de répondre à ces préoccupations, notamment pour l'hygiène. En tout cas, aujourd'hui, nous avons une hygiène, ce n'est peut-être pas encore très, très impeccable, mais vous ne serez pas déçus. Sur le bâtiment qui a été repeint, et aujourd'hui, on a autant de groupes électrogènes en cas de coupure du courant pour éclairer l'hôpital. Nous avons deux forages qui ont été faits pour fournir de l'eau. Quand vous allez à la direction technique, nous avons des funérariums où on peut se recueillir parce qu'à l'époque, c'était dehors. Mais là, il y a deux salles construites pour que les gens puissent se recueillir devant les dépouilles mortelles. Bref, voilà, il faut passer voir. Donc ça, c'est quoi? C'est le bilan que vous faites? Le bilan de 5 ans que vous faites déjà? Bon, au bilan de 5 ans, il faut dire que c'était pas ça notre objectif de venir faire le bilan de 5 ans. Mais puisque vous nous posez des questions sur l'organisation de l'hôpital, ben, on essaie de répondre à ces questions-là. Alors, j'aimerais savoir, plus de 60 ans après, parce que vous avez vu que l'hôpital a été inauguré en 1957, quand j'essaie de calculer, ça fait pratiquement 66 ans. 66 ans après, est-ce que l'offre des soins aux cliniques universitaires est toujours la même ou elle s'est dégradée? Bon, il faut dire qu'il y a des difficultés d'abord liées au fait que l'hôpital ne reçoit pas de subsides de manière régulière. Et pourtant, nous sommes un hôpital d'intérêt public. Nous recevons la population qui est démunie et nous devons faire face à cela. Et voilà pourquoi, depuis bientôt 5 ans, avec le gouvernement, il y a eu l'idée de réhabiliter et équiper l'hôpital. En attendant la concrétisation, l'hôpital a des plans B et des plans C. Nous avons dit que nous sommes un hôpital de niveau tertiaire. En tant qu'hôpital de niveau tertiaire, nous devons avoir l'équipement le meilleur. En attendant cela, c'est-à-dire en attendant la concrétisation de la réhabilitation et équipement de l'hôpital par le gouvernement, nous avons des partenaires privés. Nous sollicitons parfois des crédits bancaires. Grâce à cela, nous réussissons quand même à assurer nos fonctions. Par rapport à la formation, on ne peut être bien formé que dans un milieu suffisamment équipé. Conscient de cela, nous avons des partenaires, notamment les universités étrangères. Aujourd'hui, beaucoup de médecins qui viennent se spécialiser aux cliniques universitaires de Kinshasa complètent leur formation à l'étranger. Une année, 2 ans, parfois même 3 ans. Et quand ces médecins reviennent, ce sont ces médecins qu'on trouve pratiquement dans tous les autres hôpitaux de la ville comme spécialistes. Et par rapport à l'enseignement, nous faisons des efforts grâce au comité de gestion pour améliorer la formation, notamment avec des nouvelles technologies de communication. Bref, nous disons, il y a des difficultés
en grande partie liée au fait que nous ne recevons pas régulièrement les subsides, mais malgré ces difficultés, nous avons des plans B, des plans C, des plans D qui nous permettent d'offrir quand même des soins de qualité au niveau de la population. Merci beaucoup, professeur Makoulou, professeur Bodi. Je crois que le MDA a dit l'essentiel. Il faut éviter la fatalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être bloqué dans la vie pour se dire, bon, comme on ne reçoit pas les subsides, tout s'arrête. Non. Il faut un peu de réflexion pour essayer de voir comment solutionner les problèmes si les plans A ne marchent pas. Parce que comme il a dit, nous sommes un hôpital de l'État. Nous voyons comment ça se passe ailleurs, comment les hôpitaux de l'État sont alimentés, comment ils reçoivent des subsides, des frais de fonctionnement que nous ne recevons pas. Mais pour quelles raisons les cliniques ne reçoivent pas? Bon, madame, je crois que, vraiment, on ne pose pas des questions aux journalistes, mais vous êtes mieux placée comme journaliste pour faire des investigations et savoir pourquoi. Parce que je me souviens, il y a 2 ans, on est quand même aligné dans le budget, mais on fait des démarches et ça n'aboutit pas. Pourquoi? Peut-être que le MDA a une réponse, mais on continue à se battre. Bon, j'avais dit, nous avons une double tutelle. Ça peut être un avantage ou un désavantage. Sur le plan administratif, nous dépendons du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, pas directement du ministère de la Santé. Vous voyez, par exemple, même quand nous fournissons des efforts pour nous équiper, il faut avoir l'exonération. Nous sommes un hôpital public, nous devons mener des démarches. Et ces démarches, il faut passer par l'ESSU, l'ESSU qui va passer par la santé qui va passer par les budgets, ainsi de suite. Donc la liste, elle est vraiment longue. Donc il y a cet aspect-là. Et puis n'oublions pas, le pays vient de loin. Des efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement. Vous voyez par exemple là, il y a la politique de la couverture santé universelle qu'on vient à peine de commencer. Et nous sommes les grands gagnants parce que tous ces patients qui ne savaient pas payer, nous pensons qu'avec cette politique, l'hôpital aura des intrants, l'hôpital aura des consommables, ce qui nous permettra de mieux gérer nos patients. Bref, nous disons, nous venons de loin, il y a des efforts progressifs fournis par le gouvernement, mais il en faut plus. Étant un hôpital universitaire, l'hôpital universitaire, on ne peut pas penser régler tous nos problèmes grâce au paiement des patients. Non, il faut des subsides pour équiper les hôpitaux. Il faut des subsides pour financer la recherche. Il faut des subsides pour enseigner correctement les jeunes médecins. Merci beaucoup, professeur Makoulou. Alors, professeur Bodi, avec ce que vient de dire le professeur Makoulou, vous êtes satisfait de ce qui se passe aux cliniques, l'administration des soins? Est-ce que les malades aussi sont satisfaits? Bon, puisqu'il n'y a pas de subsides, vous vous débrouillez avec les plans B, les plans C, les plans D. Est-ce que vous arrivez vraiment à administrer des soins correctement aux malades? Je pense que c'est ce que le MDA a dit. Nous avons déjà fait un pas de géant, les gouvernements aussi, mais il faut un peu plus. Il faut un peu plus. Madame, vous savez, nous avons même, depuis quelques temps, mis sur pied une fiche d'évaluation de l'offre de soins. Quand le malade sort de l'hôpital, il faudra qu'il nous évalue pour que nous puissions nous améliorer. Et donc, c'est pour dire que nous cherchons toujours à faire mieux. D'ailleurs, pour votre information, le mois prochain, Dieu voulant, nous allons organiser des journées portes ouvertes où nous allons inviter les sociétés de la place, Top Congo sera invité, pour visiter l'hôpital et voir comment on peut collaborer dans la suite. Donc, nous avons tout ça en tête. Nous n'avons pas encore atteint les sommets, mais nous avançons. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, madame, que même dans les hôpitaux qui sont dans les pays très développés, tous les hôpitaux ne font pas tout. Hein? Vous pouvez voir un hôpital bien équipé, mais pour tel aspect, on vous envoie dans un autre hôpital. Donc, il y a cette interconnexion, cette collaboration. C'est comme ça, d'ailleurs, que nous collaborons beaucoup avec les hôpitaux de la place. C'est parce que nous devons nous compléter mutuellement pour faire mieux. Donc, est-ce que les malades sont satisfaits? Bon, je crois qu'ils sont satisfaits, mais nous devons
faire plus? Je peux compléter. Oui, professeur Makoula. Vous voyez, nous sommes un hôpital de niveau tertiaire. Les patients qui consultent aux cliniques, ils ne consultent pas pour un paludisme simple. Ils ne consultent pas pour un accouchement simple. Ils consultent parce qu'il est transféré d'un autre hôpital. Cela veut dire qu'il faut une mise au point un peu plus complexe, un peu plus aboutie. Donc la prise en charge est un peu plus complexe. Parce que le patient se plaigne parfois. Nous venons aux cliniques universitaires, on fait beaucoup d'examens. Mais nous rappelons toujours, vous êtes venu aux cliniques universitaires parce qu'on vous a pris en charge dans un hôpital X. Cet hôpital n'a pas identifié le problème. Vous venez aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous devons faire la mise au point. On dirait que c'est coûteux. La mise au point peut être coûteuse. C'est pour cela que nous disons toujours, l'État doit nous aider. Et voilà pourquoi j'ai salué l'arrivée de la couverture santé universelle. Vous avez rappelé, il y aura des maternités gratuites. Mais ces maternités gratuites qu'on va référer aux cliniques universitaires de Kinshasa, il s'agira de grossesses compliquées. Une dame peut, au cours de la grossesse, développer une éclampsie. L'éclampsie peut avoir des complications qui peuvent nécessiter de faire des dialyses. Les cas qu'on va référer aux cliniques, c'est peut-être un accouchement compliqué d'une atonie utérine. Il faudra une hystérectomie. Bref, on nous envoie des cas compliqués dans un contexte où la population est démunie. La population peut avoir l'impression comme si la prise en charge est coûteuse, la prise en charge est compliquée, mais c'est plutôt la pathologie, la complexité des cas. L'argent passe avant les soins. Il faudra d'abord débourser pour pouvoir bénéficier des soins. Pas du tout. D'ailleurs, contrairement à des hôpitaux privés où parfois il faut payer des cautions, dans nos hôpitaux publics, on ne paye pas des cautions. Mais le problème, c'est quoi? La prise en charge ne consiste pas à arriver à l'hôpital, occuper un lit, non. La prise en charge peut nécessiter, par exemple, des consommables, peut nécessiter des intrants. Si nous ne disposons pas de ces consommables, si nous ne disposons pas de ces intrants, ça peut être compliqué pour prendre en charge. Vous voyez, par exemple, durant la période Covid, les chefs de l'État avaient décrété la gratuité des soins de Covid. Mais les hôpitaux étaient, en tout cas, étaient ravitaillés en consommables. Ça a permis à prendre en charge correctement les patients Covid. Voilà, nous insistons toujours, les hôpitaux devaient bénéficier des subsides. Bénéficier des subsides, à peu près combien pour les CUK pour qu'elles arrivent à fonctionner correctement? Chaque année, nous élaborons des états de besoins que nous transmettons au ministère des tutelles. Je peux dire, en moyenne, c'est à peu près 10 millions. C'est à 10 millions de dollars que nous chiffrons ces besoins pour améliorer la prise en charge des patients. Et vous en recevez combien? Je vous ai dit que nous ne recevons pas des subsides du gouvernement. Et d'ailleurs, je les rappelle, en plus des subsides, il y a même nos créances que les gouvernements payent un peu difficilement. Vous voyez, nous soignons les policiers, nous soignons les militaires, nous soignons les fonctionnaires de l'État sur base des recommandations. Et bon, pour recouvrer, c'est parfois difficile. C'est pas facile de gérer nos hôpitaux. J'ai comme l'impression que le MD ne veut vraiment pas s'ouvrir sur cette question. Hein. Non, je vous dis la vérité. Tout ce que j'ai dit, voilà, par rapport à cette situation, nous avons des plans B, nous avons des plans C, nous avons des plans D. C'est ce qui permet à l'hôpital de résister. Donc, les hôpitaux ont développé des mécanismes de résilience. Et nous disons, la couverture santé universelle, c'est vraiment une opportunité qui permettra à l'hôpital de rendre des services encore meilleurs. Merci beaucoup. Alors, professeur Bodi, il y a aussi un service, on ne l'a pas évoqué, c'est le service des urgences.
aux cliniques universitaires de Kinshasa. Comment est-ce que ce service fonctionne? Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, nous sommes à la phase des urgences intégrées. Nous sommes en train même de recruter un spécialiste urgentiste qui est formé comme urgentiste pour mieux organiser les urgences. Mais nous fonctionnons par département. Chaque département a quand même des urgences qui fonctionnent dans les urgences intégrées. Et nous essayons de faire de notre mieux. Et je pense que nous arrivons quand même à satisfaire les besoins de notre communauté. Je pense que le MD l'a dit, ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours tout ce qu'il faut, mais nous essayons de faire de notre mieux. Le MD a dit que c'est très difficile. Moi, j'ajouterais même que c'est très difficile de faire les recouvrements. Donc, j'ajoute très parce que ce n'est pas facile, mais on fait avec. Alors, professeur Makoulou, peut-être je peux dire que, en tout cas, à n'importe quelle heure, quand le malade arrive aux urgences, il est pris en charge parce que nous avons des médecins commis aux urgences et qui travaillent de manière permanente 24 heures sur 24. Des médecins qui respectent le serment d'Hippocrate. Bien évidemment. Bien sûr. Parce que vous vous plaignez que, si je permets de le dire en lingala, c'est une clinique qui est Ndamabe. Non, pas du tout. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand il y a des catastrophes dans la ville, quand il y a des afflux massifs de patients, ils savent pourquoi ils viennent. Ils savent que dans d'autres hôpitaux, la prise en charge peut être conditionnée par le paiement des cautions. Malgré tout ce qui se raconte, quand il y a des afflux massifs, quand il y a des épidémies importantes, quand il y a des catastrophes, ces patients viennent toujours parce qu'ils font quand même confiance. Ils savent que quand ils n'ont pas d'argent, il y a des hôpitaux où ils peuvent aller. Vous savez, sur 100% des patients qui consultent aux cliniques universitaires de Kinshasa, environ 90% ne savent pas honorer des factures. Une semaine à deux semaines après, l'hôpital les libère. L'hôpital les libère. Et qui paye le manque à gagner? Le manque à gagner, ben, l'hôpital se débrouille pour combler. Mais avec, comme vous l'avez dit, vous avez développé des mécanismes pour pouvoir approvisionner l'hôpital. Est-ce que ça vous permet d'assurer le fonctionnement et des différents départements, différents services et ceux des urgences? Où Il y a des gaps. Ces gaps-là correspondent aux états de besoin que nous transmettons chaque année au gouvernement. Et je vous ai dit, ces gaps sont évalués à plus ou moins 10 millions de dollars chaque année. Merci beaucoup, professeur Makoulou. Professeur Bodi, les difficultés, vous l'avez déjà relevées vers le début de l'émission. Est-ce que vous pouvez encore revenir sur les différents problèmes auxquels font face les cliniques? Merci beaucoup, madame. Beaucoup ont déjà été évoqués. Nous pouvons revenir sur certaines difficultés, notamment la population qui nous entoure, elle est pauvre. La pauvreté est telle que c'est très difficile de prendre en charge nos patients. Ce qui fait que c'est l'hôpital qui perd à un certain moment, parce que quand tu vois les quartiers qui entourent les cliniques, ce sont les quartiers, en tout cas... Il y a Mbanzalemba, Oui. Donc vous comprenez qu'ils viennent à l'hôpital, mais parfois ils n'ont même pas 1000 francs. Ce qui fait que les médecins sont parfois obligés de se cotiser. Et ça, c'est régulier. Vous pouvez venir avec un peu d'argent en poche, mais vous rentrez bredouille. Vous payez les soins de ceux qui doivent vous payer de l'argent. Donc ça, c'est quand même une grande difficulté. L'autre difficulté a été déjà soulignée par le MD, le fait que le gouvernement ne paye pas nos créances. Si on ne peut pas nous donner les subsides et les frais de fonctionnement, mais au moins qu'on paye quand même nos créances, comment nous allons continuer à soigner les policiers, les militaires et les fonctionnaires si l'hôpital n'a rien? Donc ça, c'est une autre difficulté. Mais aussi, l'équipement. Vous savez, madame, quand nous sommes arrivés, les scanners ne fonctionnaient pas. On a dû prendre un crédit à l'époque. C'était des 100 000 dollars pour réparer. Et puis après, actuellement, nous avons un scanner qui est neuf. Mais on l'a pris à 310 000 dollars de crédit chez Equity Bank. Vous savez, pendant la grève de médecins, avec le MD, mais on n'avait pas sommeil parce que la banque, il faut payer chaque mois. Mais les médecins sont en grève et la grève a fait pratiquement 5 mois.
Donc tout ça, ce sont des difficultés de fonctionnement, certains mal MDA, d'autres difficultés à ajouter. Oui, en termes de ressources humaines, sur les 1843 agents mécanisés de l'hôpital, nous avons environ 400 agents retraitables. Retraitables, vous voyez, c'est énorme. Alors, comme ces agents ne sont pas encore officiellement retraités par le gouvernement, étant très âgés et d'autres étant malades à la maison, nous recourons à des temporaires. Et ces temporaires, nous sommes obligés de les payer parce que ces temporaires ne margent pas du budget de l'État. Ça, c'est vraiment un problème. Deuxième problème au niveau des ressources humaines, nous avons 1843 agents. Mais je vous ai dit, nous sommes un hôpital de formation. Nous formons les spécialistes qui viennent d'autres hôpitaux. Ces spécialistes, chaque année, ils sont environ 600. Et quand ils viennent chez nous, nous devons les payer. Nous devons leur donner des primes dans un contexte où nous soignons une population démunie. Et ça, ça pose quand même un problème. Il y a le problème de la formation continue du personnel. Au niveau des médecins, on vous a dit, il faut un plateau technique adéquat pour former correctement le médecin. Certes, il y a la coopération interuniversitaire qui permet d'envoyer des médecins par faire leur formation à l'étranger, mais on ne sait pas tous les envoyer. Vous voyez, par exemple, sur les 600 médecins, on ne peut pas compter tous les envoyés en formation à l'étranger. C'est à peine 10-20%. Donc les autres, on ne pourra les former qu'ici au pays grâce à un équipement adéquat. Nous disons toujours aux autorités, c'est bien d'équiper d'autres hôpitaux, mais après il se pose un problème, qui va travailler dans ces hôpitaux? Ils ne peuvent bien travailler qu'ici, dans les hôpitaux de formation, ils ont eu à faire face à des outils performants. La formation continue du personnel infirmier, la formation continue du personnel technique. Vous savez, il y a un problème réel au pays. La qualité des ingénieurs biomédicaux. On ne peut pas acheter des équipements à usage unique. Les équipements, il faut une bonne maintenance. Aujourd'hui, pour faire fonctionner correctement nos hôpitaux, nous devons faire appel à une main-d'œuvre extérieure, soit pour la maintenance des équipements, soit pour une bonne planification stratégique de la gestion des équipements. Bref, l'hôpital ne se limite pas à des bons médecins, à des bons infirmiers. L'hôpital, c'est vraiment très large. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment insisté sur la formation des ressources humaines. Je dirais même les administratifs. Mm-hmm. On doit arriver à professionnaliser la gestion des hôpitaux. Mais la professionnalisation des gestions des hôpitaux, la numérisation, suppose un personnel qualifié. Mais nous devons régler le problème des départs. Celui d'envoyer à la retraite ceux qui ont 80 ans, ceux qui ont 70 ans. Vous voyez? Donc, le personnel aux cliniques est vieux? En tout cas, le personnel administratif, c'est un personnel vieux. Il y a très peu de jeunes. Les jeunes que nous recrutons, ce sont les temporaires. Vous voyez, on ne peut pas avoir des projets au long cours en comptant sur des temporaires. Et la mise à la retraite, je sais que le ministère de la fonction publique fait des efforts dans ce sens-là, mais il faut encore davantage. Aux cliniques, c'est à peu près 400 agents qui doivent être retraités. Alors, professeur Baudy, un complément d'information. Non, à ce sujet, nous avons déjà rencontré le secrétaire général de la fonction publique. Nous avons déjà déposé les documents par rapport à la retraite de ces 400 agents parce qu'ils sont fatigués. Vous imaginez, il y a une infirmière qui a encadré le professeur Tadi, qui est émérite, 82 ans, mais l'infirmière qui l'a encadré est encore là. Donc, quand je vois cette vieille maman-là, vous comprenez qu'il faut que ces gens aillent se reposer. Madame Petit, je voulais revenir un peu sur... Vous savez, quand il y a eu Covid, les frontières étaient fermées. Qui est sorti du pays pour prendre un avion, aller se faire soigner à l'étranger? Personne, hein? Malgré la masse d'argent, voilà. Mais les gens étaient dans leur maison. C'est pour dire que nous avons intérêt à équiper nos hôpitaux locaux.
parce que demain, on peut avoir une autre catastrophe qui nous empêche de sortir du pays. Ben, on doit être pris en charge. Aujourd'hui, là, on parle déjà de monkeypox qui est à Kinshasa. Il y a des cas. Oui, il y a des cas. C'est comme ça que nous demandons vraiment que l'État nous aide, nous accompagne pour que nos hôpitaux soient les plus performants possibles, surtout un hôpital universitaire où les Sud-Africains venaient se faire soigner. Donc, vous comprenez que on ne peut que travailler pour remonter les niveaux du plateau technique afin que nous soyons capables de prendre en charge la plupart. Vous savez, avant de venir ici, nous venons d'une conférence avec les professeurs d'un hôpital de Turquie et sur la transplantation rénale, sur les cellules souches, sur la fécondation, disons la procréation médicalement assistée. Ben, ce sont ces genres de collaborations aussi que nous encourageons pour que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment on peut collaborer. Mais nous avons besoin vraiment que notre plateau technique soit relevé. L'exemple de Covid est suffisant pour montrer qu'il peut y avoir des situations où, malgré la masse d'argent qu'on a, mais on ne sait pas sortir du pays pour aller se faire soigner ailleurs, d'où l'intérêt de bien équiper nos hôpitaux. Vous savez, pendant Covid, les médecins directeurs, il est néphrologue, mais il s'est transformé en infectiologue. Je les voyais tout le temps fourrés au moulin, parce que chez nous, la pédiatrie, on n'avait pas beaucoup de cas, ce qui fait qu'on avait moins de travail. Mais on a besoin, heureusement qu'il y a eu des partenaires comme Alima, qui nous ont aidés. Sinon, et puis le gouvernement aussi nous a beaucoup aidé, ça il faut le reconnaître, pendant Covid. Si ça peut se faire comme ça, dans les conditions normales, chaque année, on reçoit du gouvernement quelque chose pour faire fonctionner l'hôpital, je crois que nous pouvons faire mieux. Alors, professeur Makolo, quels sont les défis à relever? Les défis, c'est d'abord la gestion des ressources humaines. Et cette gestion des ressources humaines, la formation du personnel qui doit améliorer la qualité d'accueil, le personnel qui doit améliorer l'hygiène hospitalière, le personnel qui doit améliorer la gestion, l'informatisation de l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment des défis au niveau des ressources humaines. Au niveau du plateau technique, là, bien sûr, nous devons compter que sur le gouvernement. Bien sûr, à part le gouvernement, nous faisons des efforts avec nos partenaires, mais nous rappelons toujours, c'est un hôpital qui appartient au gouvernement. Donc, l'autre défi, j'ai dit toujours, nous devons arriver à recouvrer nos créances. Je ne vous dirai pas c'est à hauteur de combien, mais c'est énorme. Et ces créances, ce n'est pas seulement des créances au niveau de l'État. Beaucoup d'entreprises. Vous savez, il y a 20-25 ans, il y avait au moins 60 sociétés conventionnées avec les cliniques universitaires de Kinshasa. Beaucoup de ces sociétés n'ont pas payé nos dettes, mais sont allées signer des conventions avec beaucoup d'hôpitaux privés. Voilà pourquoi maintenant l'hôpital a même engagé des avocats conseils pour voir comment régler ce problème-là. Et là, ça vous empêche de travailler? Ça ne nous empêche pas parce que nous travaillons. Nous travaillons malgré ces difficultés. Vous savez, nous sommes un hôpital universitaire. En tant qu'hôpital universitaire, nous avons rappelé nos missions, la recherche, les soins à la communauté, l'enseignement. Aujourd'hui, vous savez, l'université de Kinshasa est classée 40e en Afrique, 62e dans les rankings des meilleures universités en Afrique. Et les moteurs de ces nivellements vers le haut, de ces performances de notre université, c'est la faculté de médecine qui a comme laboratoire les cliniques universitaires de Kinshasa. Aujourd'hui, la plupart des programmes qui fonctionnent au niveau du pays, les animateurs viennent des cliniques universitaires de Kinshasa. Aujourd'hui, la plupart des hôpitaux, les spécialistes qui travaillent, qui y font des vocations, c'est les cliniques universitaires de Kinshasa. Dernièrement, le pays, on a inauguré l'hôpital du camp militaire, Kanchachi,
mais le personnel qui travaille là-bas. On a fait appel au personnel des cliniques universitaires de Kinshasa. C'est pour vous dire que malgré les conditions difficiles, nous fonctionnons. Nous fonctionnons et la prise en charge, la qualité des soins s'améliore. Mais nous disons, nous pouvons faire mieux si le gouvernement nous donne des moyens. Professeur Bodi. Non, je pense que l'essentiel a été dit. Nous devons faire confiance à notre hôpital universitaire. Madame, nous avons environ 427 spécialistes dans tous les domaines. Ce qui fait que dans le même domaine, on a plusieurs spécialistes. Si moi je suis limité, mon collègue, parce que du choc des idées jaillit la lumière. Faisons confiance à notre hôpital universitaire, fréquentons-les et nous offrons des soins de qualité. Et je crois que je peux le dire sans crainte d'être contredit. Mais nous attendons toujours qu'on nous aide pour mieux faire. Oui, mais il y a, en parlant des soins à la communauté, il y a quand même un petit malaise avec les revendications des paramédicaux. C'est-à-dire les paramédicaux qui veulent qu'ils obtiennent aussi la prime comme les médecins. Est-ce que cela ne perturbe pas l'administration des soins? Bon, c'est vrai que les infirmiers sont en grève, mais nous nous organisons toujours pour qu'il y ait un piquet, pour qu'il y ait un service minimum, parce qu'on ne doit pas sacrifier les malades. Mais c'est tout ça, c'est le problème de l'État. Ce n'est pas les cliniques qui peuvent résoudre les problèmes du salaire du personnel, c'est l'État congolais. Donc, c'est le problème de l'État, que l'État prenne en charge. Vous imaginez, ces gens, quand ils sont partis revendiquer la primature, ils ont été molestés, comme les médecins d'ailleurs. Est-ce que c'est normal? Des gens qui revendiquent leurs droits, on les moleste comme de petits chiens. Non, je pense que nous devons, si nous prenons un pays de droits, alors on n'en est pas un. Parce que les gens qui réclament leurs droits, mais écoutez-les, parlez avec eux, discutez avec eux. Pourquoi envoyer des policiers pour les molester, pour les chasser comme des petits animaux? Donc ça, ce n'est pas les cliniques, ça c'est l'État. Que l'État prenne ses responsabilités, nous nous prenons les nôtres et donc... Voilà tout ce que nous pouvons dire, Madame Peggy. Professeur Makulu, on tend déjà vers la fin de cette émission. Quels sont les projets d'avenir, les perspectives d'avenir aux cliniques universitaires de Kinshasa? Le principal projet des cliniques universitaires de Kinshasa, ça se résume en projet de réhabilitation et équipement de l'hôpital. C'est un projet du gouvernement avec comme maître d'ouvrage le BSECO. Et nous attendons que ce projet puisse vraiment démarrer. Grâce à ce projet, l'hôpital sera réhabilité, équipé, et je pense que les cliniques redeviendront les cliniques universitaires qu'on a connues dans les années 60. Alors, en attendant la concrétisation de ces projets, comme je vous ai dit, nous avons nos plans B, C, D. Nous continuons de travailler avec des partenaires privés. Grâce à ces partenaires aujourd'hui, beaucoup de secteurs au niveau de l'hôpital. Oh, bon, on ne fera pas leur publicité ici, hein. On ne fera pas leur publicité. Mais si vous venez aujourd'hui dans des services comme la néphrologie adulte, des services comme la néphrologie pédiatrique, des services comme l'hématologie pédiatrique, des services comme la biologie clinique, ainsi de suite, vous allez voir que ce sont des services qui sont des centres d'excellence au niveau de la ville. Vous avez parlé des partenaires, vous avez utilisé quel terme? Invisible. Je n'inciterai pas des sociétés privées pour faire leur publicité, mais au moins par rapport aux partenaires de l'État, nous travaillons avec l'UNICEF, qui a permis de réhabiliter la néonatologie et qui a permis de rehausser les niveaux de la maternité, de la salle d'accouchement. Il y a le Fonds mondial, il y a Expertise France, il y a le Fonds des Nations Unies pour la population. Je préfère citer ceux-là parce que les autres, on parlera des publicités. Voilà, professeur Baudionton, vers la fin de notre émission. Oui, je voudrais insister sur le projet-là de Pré-CUC. Madame, c'était un projet de 2013-2014 et qui est tombé en annulation en 2018. Le gouvernement s'est ressaisi pour relancer ce projet-là, mais ça patauge. On ne commence pas. Nous ne voulons pas entrer dans le détail
Parce que c'est que les pays, c'est que le gouvernement devrait payer à l'époque pour que ça démarre. En tout cas, nous ne voulons pas citer les chiffres ici, mais c'est ridicule qu'on n'ait pas commencé ces projets-là. Parce que le pays ne manque pas de moyens pour qu'on commence les projets. Nous attendons à bras ouverts la concrétisation de ces projets-là qui va vraiment donner une autre image à notre hôpital. Il y a à un certain moment, il y avait aussi un petit problème au niveau de la morgue. Vous avez même pu contacter Top Congo FM pour lancer l'alerte parce que pratiquement toutes les places étaient occupées par des indigents. Il y avait eu un problème avec l'hôtel de ville. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Au fait, professeur Makolo, le problème de la morgue est complexe. C'est vrai, il y avait un problème des capacités d'accueil au niveau de la morgue. On a eu un partenaire grâce à qui on a réhabilité la morgue, on a agrandi la morgue, on a modernisé la morgue, on a même eu un funérarium qui permet aujourd'hui de recevoir dignement les patients. Mais l'autre problème, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas quelles habitudes les Congolais ont eues. Lorsque, par exemple, quelqu'un décède, bon, pour mieux organiser les funérailles, on prend trop de temps pour libérer les corps à la morgue. Il y a des corps qui font 10 jours, 20 jours, 30 jours. Il y en a qui font 2 mois. Et ça, ça pose un problème parce qu'il faut conserver ces corps. Et l'autre difficulté, c'est lorsque des femmes accouchent des enfants mal formés et que ces enfants décèdent. Ces femmes abandonnent les cadavres de ces enfants à la morgue. Et quand bien même nous les appelons pour récupérer les corps sans payer, les familles refusent. L'hôpital, nous sommes parfois obligés de payer des cercueils pour organiser les enterrements. Vous voyez, donc c'est un problème aussi sociétal qui nécessite vraiment qu'on ait une prise de conscience qu'on ne peut pas abandonner un membre des familles décédé. Même quand l'hôpital fait appel aux familles pour récupérer les corps, bon, je ne sais pas, peut-être ils attendent qu'on organise aussi les funérailles, mais la moindre des choses que l'hôpital peut faire, c'est aider ces familles à récupérer les corps. Donc, c'est ça le problème. Professeur Boudi. Non, je crois que le MD a dit l'essentiel. C'est un problème sociétal. Vous savez, lorsque la police descend pour faire les enquêtes, les adresses que les parents vous donnent ne sont pas vraies. Vous arrivez là-bas et non, on ne connaît pas cette famille. Mais parfois, les voisins vous disent que non, cette famille habitait là-bas, mais qui refuse tout simplement d'accepter la responsabilité. Mais ce n'est pas normal, quelles que soient les difficultés, mais laisser les corps de votre frère, de votre enfant à la morgue pendant 2 mois. Il y a un moment où on a eu des corps qui sont restés pendant 2 ans, surtout les petits-enfants là abandonnés. Et ça, c'est un problème. Mais il faut que les gens prennent conscience que quand vous avez un corps à la morgue, il faut venir le chercher. Surtout que nous avons décidé que ces corps-là qu'on donne aux familles pour aller les enterrer, on ne doit pas toujours charger les cliniques. Parce que pour enterrer ces corps-là, c'est très compliqué. Il faut faire des cercueils, il faut acheter des draps, il faut mobiliser beaucoup de services qui doivent vous accompagner. Donc, madame comprend que les problèmes sont parfois complexes. Ceux qui se voient dans nos hôpitaux qui sont à la périphérie de la ville, c'est très différent de ce qui peut arriver dans un hôpital à Gombe, à Bandal, où la population a quand même des moyens pour permettre d'organiser des funérailles, dont les problèmes sont complexes et nous sommes contraints de gérer tous ces problèmes-là. Alors, on termine déjà. Quel message que vous adressez aujourd'hui et à l'État et à la communauté? À l'État congolais, nous félicitons le gouvernement pour les efforts qui sont menés pour implémenter la couverture santé universelle. Nous savons que le départ ne sera pas facile, mais bon, c'est un projet qui doit tous nous concerner, et nous pensons que progressivement, il faut franchir d'autres paliers. Parce que la couverture santé ne se limitera pas à l'accouchement, il y a des problèmes plus complexes. Et nous pensons que l'État congolais qui s'est décidé à construire des hôpitaux,
ne va pas oublier l'hôpital universitaire, parce que tous ces hôpitaux auront besoin de personnels bien formés, et ces personnels, on ne peut les former que dans des hôpitaux universitaires. Professeur Bodhi. Non, je pense que le titulaire a donné la conclusion qu'il fallait. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci, merci madame. Voilà. C'est la fin de cette émission, fidèles auditeurs de Top Congo et chers amis de Top Santé, chers internautes. Aujourd'hui, nous avions reçu le professeur docteur Jean-Robert Makulo et le professeur docteur Joseph Bodhi Mabiala, respectivement médecin directeur et médecin directeur adjoint des cliniques universitaires de Kinshasa. Avec nos invités, nous avions parlé de l'offre des soins de santé au CEK, plus de 60 ans après. Comment est-ce que cela se présente? Les CEK font face à des difficultés de plusieurs ordres et pas de subsides. L'hôpital s'organise tant bien que mal pour faire fonctionner les différents départements et services. Mais aussi, aujourd'hui, les CEK interpellent le gouvernement pour équiper les hôpitaux locaux afin de relever le plateau technique pour une prise en charge correcte des malades. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis en FM et sur YouTube. Merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui, Alain Pascal Mbungu et Patrick Mongongo. Fidèles auditeurs, chers amis de Top Santé, je vous dis au revoir et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Maman, maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.